Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était pour que vous ne soyez pas là aujourd'hui pour témoigner parce que vous êtes un témoin gênant, un témoin encombrant, vous êtes un témoin accablant. N'est-ce pas cela? Oh, bella wuline ki fa ko ikana na seria bobi parce que seria li li di min ya lu tro la seria li la di min mayin aluma. Grand côté hein, et à qui ça dit à quand long quoi. Déjà non ko foragne aller retraite na recherche la boutou. Bon, vous savez, il y a pas il connaît ça, il me connaît. On m'a parlé de lui. En ce moment, c'est lui-même qui me recherchait maintenant là. Vous avez parlé d'un groupe de militaires qui menait la chasse à l'homme. Et je souhaitais que vous reveniez sur la liste de ceux-là qui menaient cette chasse à l'homme. Quoi que soit ainsi, deux fois mille très moyen la nini la chasse à l'homme. Quoi y a fait couille oui madame. Marcel. Jacques Mahomi. Thomas. Bon, c'est ceux-là que j'ai remarqué. Avec d'autres éléments. Très bien. Vous avez également parlé, cité quelques noms de vos amis d'infortune aux 32 escaliers, dont Lansiné Kaba, Edouard Bangoura et Bankole. Aïni, même parlant des 32 escaliers, Troyaro, Lansiné Kaba, Anim Bankole, Kawi, Tuofo. Ont-ils là survécu à ces actes de torture? Ou sont-ils toujours en vie? Bon, presque à vivre là, parce qu'on nous l'a donné deuxième jour. Oui, presque ils vivent. Nous sommes des gens qui sont venus au deuxième jour. Donc, il y a troisième jour, la torture m'a commenté. Ceux qui sont venus au troisième jour aussi, leur torture n'était pas comme les miennes. Moi, j'étais dans la même série que ceux-là. Voilà. Est-ce que vous savez où ils vivent actuellement? Il vit là. Est-ce que vous pouvez, en profitant de cette audience qui est publique, qui fait l'objet d'une médiatisation à outrance, pouvez-vous lui lancer un appel à témoignage, comme vous l'avez fait, pour oui. L'intérêt d'un procès juste et équitable? Pouvez-vous l'appeler à venir témoigner comme vous? Parce que Kiti Ninkeni, Dunya Benyanali, Radio et Télévision, il y a la Koni Lise Kilili, qui est là, les Farama. Aïna, quand on a Seria Bo, Koka, groupe, quitté l'Alma de même. Un problème, toi, oui. Oui, reprenez. Il n'y a pas de problème, lui-même, il est prêt. Sorazi Chaman et Nkwame, d'autres, cela n'a pas seulement. Bon, il y a beaucoup de militaires, il y a d'autres qui avaient peur, oui. Même Lansiné Kaba, allez les cafonnés, non? C'est Lansiné Kaba qui m'a dit. À Konyako, 28 septembre, l'eau. Le jour du 28 septembre, Aïbora patrouille là. Lui, il est sorti en patrouille. Alain Begré le trait. Il était avec Begré. Donc, Aïnara Koloma marché juste. Ils sont venus jusqu'au niveau de Koloma marché. Aïnara Mordosro Otibrasa. Ils ont trouvé quelqu'un qui était mort. Ça s'encourage le trait. Oui, mais jour. La personne vient de mourir. Aïlon trait au Kaola position, mon frère. Il était là-bas, il regardait la position. Avec presque 5 éléments et voilà quoi. Ils ont eu 5 éléments qui partaient. Mais aïe malon mouta y trewa la fanfa parce que qu'on a cru n'y a qu'un aïe mouta. Les éléments étaient là où ils partaient. Aïe fana ki boura y kwa yenni begre kwa mon pick-up la loi yen. Ils ont couru à permis, ils ont venu les barrer avec le pick-up. Donc aïe ka il a arrêté. Ils ont arrêté. Aïe l'a arrêté mais aïe ka bela don pick-up kono ko destination kwa y watwa y di. Ils ont pris les gens la destination pour le pick-up. Bah y tout ranyan olema juste. Ils sont rassurés dans ça. Maintenant, colonel Pivi n'a rakana ben olema. Colonel Pivi est venu tomber sur ça. Au cas Begré cri. Il a appelé Begré. Croyez-nous nous libérer, que c'est des co-présidents missionnaires il est. Oh, il faut les libérer, c'est les missionnaires du président. Donc à l'heure qu'à donc à être avec quelqu'un clair. Donc ils se sont voulu se bagarrer entre eux là. Mais chef le. Mais c'est le chef. Donc à Kaouri des éléments oui ma. Il a donné de l'argent. Kaba Kaita aller le caloi voir il blafame. Il les a pris, c'est lui qui sait là où il les a envoyés. Donc là je ne cabaye encore mais est-ce qu'il dit c'est comment il dit c'est qu'au fort.
Et j'ai lancé une carrière, elle est là, j'ai dit, est-ce que tu peux dire ça? Chef, c'est un lieutenant. C'est un lieutenant, il est chef. Ou il est en service, c'est lieutenant, l'ancien. Aïe, à la service, j'ai minté. Est-ce que Kamayen était? Est-ce que c'est pas Kamayen? Je crois que monsieur le procureur le fera venir pour l'intérêt de la manifestation de la vérité dans ce procès. On veut tout savoir. Je continue et je vous remercie parce que vous avez donné le ton. Je crois que d'autres viendront parler. Je continue puisqu'on est en train de remettre en cause les actes de torture que vous avez subis. J'ai à présent les larmes aux yeux. Je voudrais que vous me disiez et sur quelle partie de votre corps ces traces de torture, d'actes abominables existent. Ma il a torturé ko modo li a fait ko il a bé il a fait ko comment ou la lo comme ba yo fola me a fola li fayda su kasiro quoi ya fait li ya foagne il fadi fanjuma torturé wo noyé fadi fanjuma bon d'abord comme il a essayé non bon comme ici on peut vous n'avez pas à montrer ici hein. Moi non, je voudrais citer, juste que vous citez vous avez vu le trace de couteau. Il voulait couper la main là. Voilà, Ibrahim. Vous avez vu ici. La cigarette, la main là, la hansara. Ils ont allumé la cigarette, mettre ici jusqu'à éteindre. Bruno était enfant, Bruno est enfant. Il y a les traces de couteau, de corde ici. Il y a les traces de couteau ici. Et ma dernière question ou avant-dernière question, est-ce que vous êtes disposé pour le respect de votre dignité en tant qu'être humain? Est-ce que vous êtes disposé à ce que le président vous soumette à une séance où tous les avocats dans ce procès et les autres membres de ces procès, des autres acteurs, et pourraient constater de vissu ces traces sur votre corps. Êtes-vous disposé à cela? Bah, il a rabidé nyaro, car rabidé nyabunya. Il va dire, ni va sonner ma avocat, animin yema giro été. Allez voir yeli que non voluma ifadi koloka. En dehors de la présence du public. Non, je suis prêt, c'est pas de problème ça. Je crois que le tribunal le fera dans l'intérêt de la vérité. Je vous remercie, monsieur le président, j'en ai terminé.